Déjà, la différence de Cédric, c'est que on a fait la formation ensemble et moi j'ai pas été breveté. Donc c'est ce qui a entraîné mon départ de l'armée. On a fait tout le cycle de formation et lui a réussi. Là où les gens ne mesurent pas finalement quand on est en dehors de ce milieu-là, c'est le niveau de qualité humaine et le niveau technique des gens qui réussissent avec succès ce type de formation. Le cours de nageur de combat, il faut vraiment essayer d'avoir en tête que c'est l'élite parmi l'élite. C'est-à-dire que postulent là-bas les gens déjà des meilleures unités de toutes les armées, les gens qui sont déjà dans des unités de force spéciale. Et là où c'est d'autant plus triste, c'est que en plus ils sont très très peu. C'est-à-dire quand on perd deux soldats de cette valeur-là, c'est énorme la perte pour la France, la perte. On ne mesure pas. C'est vraiment une famille. C'est une famille. Et la preuve en est, c'est que moi, de le revoir et je l'avais connu vraiment dans ce cadre-là professionnel, ça a suscité vraiment énormément d'émotions parce qu'on vit des moments, on vit des moments à la fois formidables mais extrêmement difficiles et puis de haute technicité, quoi.